Good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un weekly vlog. Je me suis dit, j'avais envie tellement de vous reprendre en weekly vlog. Allez, on va filmer. Je sais pas ce que je vais faire cette semaine, mais je vais vous prendre avec moi. Peut-être que je vais faire des trucs intéressants ou des trucs pas intéressants du tout. Ça fait quand même 3 mois que j'en ai plus fait depuis le vlog et l'eau fraîche. Je n'ai plus fait de vlog. Je viens de me réveiller, il est 10h. J'avais envie de dormir un tout petit peu, nous sommes lundi 3. J'ai fini de me laver, ce que je vais faire, je vais me laver les dents. Je vais faire ma petite routine. Le matin elle est simple et en été je la fais vraiment mais très simple parce que ma peau elle réagit beaucoup trop vite. En été qu'en hiver, je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, ça devrait être la veille. Ça me gratte depuis tantôt ici. Je vais appliquer la crème de chez Aqua Skincare de chez Paris XL. Je l'aime beaucoup en ce moment. J'en mets pas beaucoup parce que on m'avait conseillé de pas en mettre beaucoup sur le contour des yeux comme c'est fragile. Donc je mets une petite quantité. Après, j'applique mon sérum qui vient de chez Hello Body. C'est le rose divine en 30 ml. Il est top. Là, il me reste un peu moins que la moitié parce que je l'utilise matin et soir. Je prends deux comme ça. Et après, je prends le CeraVe. C'est une crème hydratante SPF 30 pour les UVB et les UVA. C'est en format pompe. Dans mes favoris du mois, regardez, elle ne fait pas de traces. J'aime vraiment beaucoup. Elle ne fait pas de traces blanches, c'est chouette. Me mettre une crème pour le corps de chez Rituals of Sakura. J'ai terminé ma Boom Boom crème de chez Sol Janeiro. Elle est trop bien, c'est une pépite, elle sent super bon. Sur le bras, donc en quantité comme ça, pas exagéré. Nous allons ce soir pour, comme c'est sa dernière année d'école, il y a une remise de diplôme. Je prends mon démêlant de chez Swarkoff. Glisse Air Repair, je l'aime beaucoup, ce sprintineux, surtout que je ne les lisse plus parce que je vois une grosse différence sur ma peau, donc ça me plaît, sur ma peau, sur mes cheveux pardon. Je démêle depuis quelques temps du bas et puis le haut après, parce que si vous démêlez comme ça, vous cassez tous vos cheveux du bas un petit peu, ben ça va pas casser mes pointes. Il est 13h20, je regarde la série Bisous Kitty. J'aime vraiment bien, je suis à l'épisode 8 et il en reste 2. Une best série. Pourquoi je dis que je l'aime bien? Parce qu'en fait, j'aime beaucoup parce que c'est à Séoul, j'aime beaucoup ce pays, c'est très beau. De toute façon, elle sera dans mes coups de cœur et mes favoris du mois de juillet parce que je l'ai appréciée. Et j'aime beaucoup les acteurs qui jouent dans ce film-là. Dans cette série, pardon. C'est celui-là, celui-là et celui-là. Et alors, c'est celle-ci, la série que je suis en train de regarder. Je vais prendre ma base qui vient de chez Catrice Cosmetics. C'est la Primer Fine No More Red. C'est une base anti-correction et j'aime vraiment beaucoup. En plus, elle est presque vide. Elle est vide. J'ai fait une bêtise, mais de l'année. On en parle ? L'état de... du miroir. J'applique le fond de teint de L'Oréal Paris Accord Parfait fond de teint fondant unifiant perfector. S'ajuste à la couleur et texture de votre peau. Acide hyaluronique hydratant. Après, j'applique la poudre Garancia, l'appel de la forêt. Normalement, c'est en mélange avec un sérum, mais moi, je la garde en poudre pour poudrer mon teint. Et avant de poudrer mon teint, je prends un blush comme ceci. Ça dépend les couleurs. Des fois, je pioche et je prends n'importe quelle couleur. Celle-ci, c'est la Devoted. C'est des blushs crème de chez Shein, de la marque Shiglam. Je vous reprends quand je me suis maquillée. Terminé la série Bisous Kitty. Ce que j'ai à dire, c'est que c'est une série top. Je suis pressée déjà d'avoir la deuxième saison. La deuxième saison doit être super bien. 10 épisodes. J'aime beaucoup cette série-là. Franchement, c'est une top série. Allez la voir, elle est trop bien. Je vous la mets ici. C'est celle-ci, elle est trop bien. Un retournement de situation que j'aurais jamais cru que ça allait arriver. Je vous en dis pas plus, allez le voir et dites-le moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette série. Je n'attendais pas que ça arrive comme ça à la fin.
C'est tout ce que j'ai à dire. La palette de chez La Plus Les Yella Beauté Hello Beautiful. Une palette comme ceci qui est très jolie. Cette couleur-ci, surtout de ma paupière. J'ai fait le combo de rouge à lèvres de chez Action. C'est le muffin. J'aime beaucoup ce combo. Mardi soir, je retourne chez mes parents jusque mercredi soir. Ma maman se fait opérer le mercredi après-midi. Comme ça, bah, je serai un peu avec mon papa en même temps. Et ma maman. Je ferai ma valise demain, je suppose. Ouais, je la ferai demain. Il est exactement 14h46. Mon chéri finit à 17h. Le temps qu'il revient, qu'il se lave, pour qu'il va chercher son diplôme de 7e. Ma belle-sœur, elle est en train de se préparer. Moi, je suis préparée. Je vais vous montrer ce que j'ai mis. J'ai mis un top qui est comme ceci, qui vient de chez New Yorker. J'aime beaucoup le fait qu'il est comme ça. Un blazer de chez Jessica. Pour le pantalon, je sais pas, c'est ma meilleure amie qu'il me l'a revendu. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 4. Et hier, je vous ai pas repris depuis le diplôme de mon chéri. Ça s'est très très bien passé. Il a eu son diplôme. Je vais faire mes soins, me maquiller, faire ma valise. Mon contour des yeux de chez Paris XL. Je vais le prendre avec moi. Je vais prendre une trousse qui était en collaboration avec Caudalie, c'est la My Little Box. Je vais mettre mon contour des yeux. Le produit avant hyaluronique, vitamine, Simartis, Aqua, Jojoba, Age, Nutri, Revive. Pour ma maman. Un contour des yeux de 15 ml de la marque Voilà. Pour ma maman aussi. Je vais appliquer mon sérum de chez Hello Body et ma crème CeraVe hydratante avec un SPF. Je vais prendre pour ce soir la Caudalie, la Vinosource Hydra Gelée d'eau de raisin hydratant. Il me reste vraiment rien, mais pour deux jours, j'ai assez. Pour mettre dans ma trousse, je vais prendre la Herborian, la CC Crème, la Centella Asiatica, un soin illuminateur du visage haute définition, perfecteur de peau. C'est à la teinte dorée. C'est blanc quand vous l'appliquez, puis après, ça fait une couleur. Je vais vous montrer. Ça se met comme ça, et puis après, ça vous fait une couleur. Je vais prendre celui-ci comme blush, c'est le Rose Ritual. Ça, un Beauty Blender. En mascara, je vais prendre le Avon Unlimited. Et je vais prendre le combo Dusty Rose de chez Action. Je suis bien arrivée à la gare près de chez moi. Il y a mon petit chien qui est venu avec mon papa. Kiki! Regarde-moi. Et là, mon papa, il met de l'essence. Et je vais aller voir ma maman. Bonjour tout le monde, j'ai profité un peu avec mes parents et aussi là on est à l'hôpital car elle va se faire opérer l'après-midi. J'ai été me chercher à Panini et à Coca Zero, il y a mon père là-bas. Bonsoir tout le monde. Je voudrais m'excuser pour le fait que je ne filme pas beaucoup, mais ma maman s'est fait opérer hier du... Je vous mettrai le nom de ce qu'elle s'est fait opérer. Elle doit marcher sans se faire mal. J'ai pas été présente pendant que j'étais chez mes parents parce que bah, je devais être là pour elle. Désolée si vous entendez le son de la télé, mais mes parents regardent le film. J'ai aspiré et j'ai nettoyé toute la caravane. Bon là on va faire ma petite skincare. Je suis désolée pour la lumière. Ça va être facile car j'ai fini mon sérum. J'ai fini mon sérum de chez Hello Body, le Divine. Ce que je peux vous dire c'est qu'il est bien, mais un peu trop basique, parce qu'elle rend ma peau très sec
Et sur ce côté-là, je ne sais pas si vous allez voir, là ça va, mais ce côté-là, j'ai attrapé des plaques. Je mets mon contour des yeux pour pas changer de chez Paris XL. Je croyais que c'était un sérum, mais c'est une crème. Crème de suprême antioxydante de jour et de nuit à l'acide hyaluronique, c'est à ma maman. Je mets ma crème, bah, le reste de ma crème de chez Caudalie. Il m'en reste vraiment plus rien. Recommencer une nouvelle routine. Excusez encore une fois, mais que le vlog n'est pas aussi chouette, je vous avais prévenu au début de ma vidéo. Comme je dois prendre soin de ma maman et comme je retourne demain, ben je préfère prendre soin de ma maman maintenant. J'avance ce qu'il y a à faire. C'est moi qui m'ai proposé de l'aider parce qu'elle en a besoin, tout simplement. Je lui ai dit, si tu veux, je fais la salle de bain, je la fais. Tout et n'importe quoi. J'ai aspiré et lavé la caravane. Bah, elle était fière de moi. Et après, on a regardé que des vidéos sur YouTube où on a passé des bons moments ensemble, moi et ma maman. Et je retourne demain. Je suis un peu triste. Mais je revois mon copain. C'est une bonne chose aussi parce que je suis tout le temps avec lui. Et du jour au lendemain partir, petite pensée pour lui. Vous allez dire aussi, ça fait très longtemps qu'on t'a plus vu chez tes parents. Pourquoi? Bah, parce que je commence à avoir ma vie d'adulte. Moi et mon chéri, on cherche une maison. Je suis que pour mes parents parce qu'après, ben, je ne serai plus non plus venir quand je veux. C'est pour ça que là, j'ai aidé mes parents à nettoyer, genre à avancer mes parents, à aider mes parents parce que mes parents ont quand même un certain âge. Mon papa a 66 ans. Ma maman, elle va avoir 59 ou 60 ans. Donc, ils ont quand même un certain âge. Bonne nuit tout le monde! Salut tout le monde, je voulais m'excuser. Pourquoi j'ai pas filmé quand je suis retournée chez mon copain? Tout simplement, samedi, on a fêté l'anniversaire de ma belle-sœur qui a eu 16 ans. Samedi soir, je suis tombée malade. Dimanche, je ne savais plus rien faire, j'avais plus de force. Ma voix partait vraiment en catastrophe. Je voulais rien faire tellement que j'étais pas bien. J'ai commencé à avoir des douleurs à la tête. Ça va être super, ça va être la fête pour toi. J'ai mangé au Dafalgan, hein, ce que j'ai envie de vous dire. 40 températures. Lundi, ça a été ma voix. J'ai dû demander à mon gérer qui va me chercher du lait, du miel, pour un peu que ma voix revienne, parce que ma voix, c'était une catastrophe, ça faisait très mal, j'avais pas parlé. Encore là, c'est limite, mais je n'en pouvais plus. Mardi, ça a été aussi, c'est encore la voix. C'est mercredi que ça a été... un enfer. J'arrêtais pas de tousser. Quand je rigolais, j'allais m'étouffer.
Ma belle-sœur, elle me faisait rigoler et j'allais m'étouffer alors que je toussais. L'isomusil, c'est pour la toux grasse. Je prends ça le matin, j'arrivais pas à cracher, donc ça m'aide à cracher. Le problème, c'est que je suis en retard de tout, tellement que je n'ai rien fait cette semaine. Je ne savais même pas que j'allais être malade. J'ai un retard, mais de plein de vidéos. J'ai un retard de accessoires, un haul accessoire Shein que je dois faire. J'ai un haul, un try-on haul Shein que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Il y a plein de vêtements. J'ai une vidéo try-on haul Shein de vêtements. Un haul accessoire Shein. Ici, j'ai reçu ma première box Blissim du mois de juin et juillet, qui a l'air pas mal du tout. Il est très joli le sac, mais encore une vidéo à vous faire, encore un carton avec ma box du mois de juin et juillet de chez My Little Box. C'est la grande bleue. Je sais pas quand je vais vous filmer ces hauls là, mais j'aimerais bien quand même faire mes hauls car je suis en retard dans mes vidéos. Et ça, c'est très 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 ennuyant. Et moi, je voulais vous dire que je vais vous quitter ici. Et que je suis désolée pour ce vlog, sera catastrophe. Au moins, vous avez eu un vlog. J'espère que mon vlog vous aura plu. On se retrouve vendredi pour soit un haul Shein ou une box. On verra bien à ce moment-là. Je vous fais des énormes gros bisous. Prenez soin de vous. À vendredi.